ils ont connu des sorties de stade plus glorieuses. On tombe un peu des nues, on s'attendait pas du tout à ça. C'est vrai, on prend une grosse claque là. Les supporters du PSG KO en perdent leurs mots. Une désillusion. Il faut dire qu'ils y ont cru, mais leur équipe n'ira pas plus loin. Ils sont pas dignes de porter le maillot. Ils sont même pas dignes, on devrait les siffler jusqu'à la fin de la saison. Et encore une fois, je pense que Paris n'a pas fait preuve de force mentale. Et je pense que ce club manque d'histoire en Coupe d'Europe. Mais je pense qu'on perd le match à la première minute et pas à la dernière. Quelques instants avant, dans ce bar parisien, allez, Paris, des supporters confiants jusqu'au bout. Puis, la douche froide. Deux fois en deux ans qu'on se fait complètement... C'est la désillusion en fait. J'essaie de trouver des explications, mais je suis un peu dépité quoi. D'un côté, une injustice parce que le pénalty, il est quand même très très dur, même si éventuellement il y est. On a l'impression d'être marabouté par le sort sur ce type de compétition. Une compétition pour laquelle ses supporters espéraient une meilleure issue. Deux ans après le cauchemar de Barcelone, ils devront attendre encore un peu pour voir leurs joueurs soulever la Ligue des Champions.